On est là justement dans le cadre des actions sociales pour cette journée. C'est vrai que nous avions déjà accepté de parrainer cette journée donc, nationale ou départementale, j'allais dire, des handicapés du Sénégal. Nous avions décidé donc de la mettre, de faire tenir la cérémonie aujourd'hui avec l'aide et l'assistance justement du docteur donc Bayel Cissé, que je remercie sincèrement pour tout ce qu'il est en train de faire pour le département. Et en même temps, donc, je confirme notre volonté, notre engagement à soutenir justement donc les personnes handicapées en général. Deuxièmement, nous avons procédé avant d'arriver là à la pose de la première pierre donc de l'école de Sourmier de Pété, et je me suis engagé donc au même titre que les autres écoles de la commune de l'inclure justement donc dans toutes les dotations que la commune fera. Mais en plus de cela, moi je m'emploierai personnellement à aider et à soutenir cette école quand même qui ramasse et qui correspond presque à une école départementale, j'allais même dire sous-régionale, parce qu'il m'est revenu qu'il y a quand même des élèves qui viennent de la Mauritanie pour justement étudier dans cette école. Donc nous travaillerons à cela. Le reste maintenant, c'est un certain nombre de doléances qui ont été posées dans le cadre d'une meilleure mobilité des personnes handicapées. Je rendrai compte au président de la République, bien sûr, la distribution des cartes aussi pour l'égalité des chances. Ces cartes d'égalité des chances ont été distribuées, mais il nous revient que la totalité donc, des avantages attendus avec l'obtention de cette carte-là donc, n'est pas encore effective. Et je rendrai compte, bien sûr, au président de la République pour justement faire prendre les mesures idoines pour nécessairement donc, quand même que ces personnes handicapées puissent bénéficier de ces avantages-là.